Dans cette vidéo, dans ce cours, nous allons présenter la forme symplectique canonique oméga sur l'espace cotangent d'une variété M. Donc c'est le dernier paragraphe du chapitre qui s'appelle Base de géométrie différentielle, qui est dans la partie géométrie différentielle de ce cours de physique mathématique. Voilà, donc vous pouvez lire ce cours PDF sur la page web. Donc dans cette section, on va montrer l'existence sur l'espace cotangent T étoile de M d'une forme bilinéaire antisymétrique très particulière qu'on va noter oméga et qui s'appelle la forme symplectique canonique. Le mot canonique en mathématiques est souvent utilisé pour des objets qui existent. Donc, qui sont présents sans qu'on ait à faire de choix. Alors, on est en géométrie différentielle, et bien sûr, il existe une définition géométrique de oméga qui n'utilise pas les coordonnées sur la variété, mais cette définition, pour des raisons pédagogiques, on la verra plus loin, et dans ce paragraphe, on va donner une définition d'oméga en utilisant le système de coordonnées. Et on vérifiera ensuite que cette définition ne dépend pas en fait, du choix des coordonnées utilisées. Donc, sur une variété de dimension m, une variété m de dimension n, on appelle x1 jusqu'à xn des coordonnées locales qui repèrent la position d'un point. Donc, on rappelle que dxj, ce sont les différentiels des fonctions coordonnées et forment une base de l'espace cotangent en chaque point. Ainsi, un vecteur cotangent arbitraire, xi, s'écrit comme combinaison linéaire de ces formes différentielles dxj avec des coefficients xij qu'on appelle les coordonnées du vecteur cotangent xi. Et donc, pour repérer un point x sur la variété, il faut les coordonnées x1 jusqu'à xn. Et en ce point donné, pour repérer un vecteur cotangent, il faut de plus les composantes xi1 jusqu'à xin. Ainsi, tous les nombres x1 jusqu'à xn, xi1 jusqu'à xin forment un système de coordonnées locales sur l'espace cotangent T étoile M. En particulier, cela montre que T étoile M est une variété de dimension 2n. Voilà, sur cette figure, on représente ici la variété M. Et pour tout point x de la variété, en chaque point il y a l'espace tangent, txm, et son dual, l'espace cotangent, qui est représenté ici par la droite verticale, c'est un espace vectoriel. Et pour un vecteur cotangent quelconque, xi, dans cet espace vectoriel, eh bien, l'ensemble de ces vecteurs cotangents déjà forment, avec l'ensemble des valeurs de x, forment l'espace cotangent. Donc on comprend bien que c'est dimension 2n, parce que la base M est de dimension n et chaque fibre, chaque espace cotangent est de dimension n. Donc l'ensemble est de dimension 2n. Voilà, donc on se donne un point x xi sur l'espace cotangent, un point arbitraire, ici représenté par ce point noir. Et en ce point, on va considérer deux vecteurs tangents, grand X et grand Y. Alors ici, ils sont représentés par ce vecteur bleu grand X et ce vecteur vert grand Y. Attention, ce sont des vecteurs tangents sur l'espace cotangent. Donc ils appartiennent au tangent du cotangent. Ces vecteurs ont donc 2n coordonnées chacun qui sont notées, par exemple pour grand X indice xj, grand X indice xij, j variant de 1 à n. Par exemple, ici, on a représenté en pointillé les composantes, les coordonnées grand X indice x et grand X indice xi pour le vecteur tangent grand X, et de même pour le vecteur grand Y. Mathématiquement, cela signifie que le vecteur grand X se décompose de cette façon sur les vecteurs tangents de base, d sur dxj et d sur dxij, et de même pour y. On rappelle quelque chose qu'on a vu précédemment, c'est que étant donné un vecteur tangent ici grand X, eh bien la composante x indice xj est donnée par l'application du vecteur cotangent
dxj, de la forme différentielle aussi, sur ce vecteur tangent, etc. On a ainsi chaque composante. Sur la figure, on a représenté les vecteurs de base d sur dxj, comme ça, horizontalement, car ce sont des vecteurs qui sont en quelque sorte dans la direction de la variété, et les vecteurs de base d sur dxj qui sont des vecteurs dans la fibre. Alors, on introduit par définition la forme bilinéaire grand oméga sur cet espace vectoriel tangent en ce point particulier, étant défini par grand oméga appliqué à ces deux vecteurs tangents x, y, donnant ce nombre. Ce nombre est donc une somme de j allant de 1 à n de cette expression qui fait intervenir les composantes des vecteurs x et y. Alors, se rappelant justement de ce qu'on vient de voir, c'est que la composante, par exemple, grand x indice xj est donnée par la forme différentielle dxj appliquée à x, et de même pour les autres composantes. Eh bien, cela signifie que la forme bilinéaire oméga elle-même est combinaison linéaire des formes linéaires dxj pour donner ce nombre, dxj pour donner celui-là, etc. Et le produit des résultats se représente par convention comme le produit tensoriel des formes linéaires. Donc ça, c'est une notation qu'on appelle le produit tensoriel qui exprime de façon équivalente l'expression de grand oméga. Alors on voit qu'il s'agit de ces deux formes linéaires moins la permutation de ces deux formes linéaires, et donc il y a encore une notation, une convention pour cela, c'est ce qu'on appelle le produit tensoriel antisymétrique noté par ce symbole en chapeau. On appelle ça le wedge product ou le produit tensoriel antisymétrique. Donc voici la définition de cette forme bilinéaire. À noter que cette définition dépend du système de coordonnées qu'on a choisi. Alors, avant de montrer que cette forme oméga, grand oméga, en fait, ne dépend pas du système de coordonnées, on va d'abord donner quelques propriétés. Et aussi, il est important de remarquer qu'on a donné la définition en un point quelconque, mais donc la forme oméga est définie en tous les points de l'espace cotangent. En fait, c'est une forme bilinéaire sur l'espace tangent de tous les points de la variété du cotangent. On dit que parfois que c'est un champ de forme bilinéaire, ou de façon plus synthétique, on dit que c'est un tenseur ou une deux formes. Voilà, la première propriété évidente, c'est que cette forme bilinéaire est antisymétrique. Si on permute les deux vecteurs xy, eh bien, oméga appliqué à yx est égal à moins oméga de xy. Alors, le fait que ce soit antisymétrique, c'est évident sur cette expression. Vous voyez, si vous permutez le rôle de x et y. La deuxième propriété est que cette forme bilinéaire est non dégénérée. Alors, qu'est-ce que ça signifie? On a déjà vu ça avec le tenseur métrique. C'est-à-dire que lorsqu'on a, de façon générale, une forme bilinéaire, ici c'est oméga, eh bien, on peut lui associer une application linéaire de l'espace tangent T de T étoile M dans le dual. Donc T étoile de T étoile M. Tout simplement, au lieu de donner deux vecteurs à manger à cette forme bilinéaire, on lui en donne un seul. Et donc à x, on associe, vous voyez, oméga appliqué à x. Et il reste une entrée, donc le résultat oméga appliqué à x est une forme linéaire, autrement dit un vecteur cotangent. Donc ce oméga tilde est bien une application du tangent dans le cotangent, qu'on appelle ax donne oméga tilde de x. Voilà, et donc cette application linéaire allant d'un espace vectoriel dans son dual, qui ont même dimension, on dit qu'elle est non dégénérée si c'est un isomorphisme. Et c'est le cas ici, on va le vérifier. En effet, si on a défini oméga donc dans la base des coordonnées, il suffit donc d'écrire les composantes de cette application linéaire dans cette base. Et voici les composantes. D'après l'expression, vous voyez, voilà, je reprends. Donc on peut calculer maintenant les composantes de la forme de l'application oméga tilde.
Eh bien, tout simplement, on calcule oméga tilde appliqué au vecteur de base d sur dxj, et pour cela, on regarde sa définition. Donc, d'après cette expression ici, oméga tilde appliqué à d sur dxj, il faut appliquer le vecteur dxj ici sur la première forme linéaire. Et ça va donner 1, et donc il va rester dxj. Pour cette raison, ça donne dxj. Et oméga tilde appliqué à d sur dxj, eh bien, on donne à manger le vecteur d sur dxj. Ici, ça fait 0, mais ici, ça va faire 1. Et donc, il va rester moins dxj. Voilà. Autrement dit, comme ce sont des vecteurs de base pour l'espace tangent et pour l'espace d'arrivée et l'espace cotangent, ça signifie que cette application linéaire, dans cette base, eh bien, elle a 1 sur la diagonale dans le bloc ici inférieur gauche et 1 sur la diagonale dans le bloc supérieur droit. En effet, ici, dxj se trouve ici sur le premier bloc et ça donne dxj. Ah, pardon, il y a une erreur de signe que je corrige tout de suite. Voilà, l'erreur est corrigée. Donc, l'image de d sur dxj, c'est moins dxj. Donc là, il y a la matrice moins identité sur le bloc supérieur droit. Et cette matrice est évidemment inversible et son inverse est donné par cette matrice. Le produit des deux fait l'identité. Voilà, le résultat important, le théorème important, c'est que oméga, qui a été défini en coordonnées, en fait, ne dépend pas du choix de coordonnées. C'est donc une forme qu'on appelle la forme symplectique canonique sur l'espace cotangent. Elle est définie sur chaque espace tangent. Alors voici la démonstration de ce théorème. Et bien pour démontrer ce théorème, on va prendre un autre système de coordonnées locales qu'on appelle x' k. Les coordonnées c'est x'1 jusqu'à x'n. Et localement, on a le choix entre ces deux systèmes de coordonnées. On peut donc faire des changements de coordonnées. Et avec le nouveau système de coordonnées, la définition précédente définirait une forme bilinéaire oméga prime donnée par cette même expression. Ce qu'on souhaite montrer, c'est que oméga prime est égal à oméga. Alors pour ça, il faudra remplacer dans l'expression de oméga prime les dx prime j par des dx j et les dx prime j par des dx j. Alors commençons. Alors tout d'abord, dx prime j, on l'a vu précédemment, dans les exercices précédents, que lorsqu'on change de système de coordonnées, eh bien dx prime j est combinaison linéaire des dxk avec ces coefficients-là. Alors maintenant, si on se donne un vecteur cotangent xi quelconque, eh bien dans le système de coordonnées xk, il a des composantes qu'on appelle xk. Et dans le système de coordonnées x' j, il a des composantes qu'on va noter xi' j. Le même vecteur cotangent s'écrit comme ça ou comme ça. Alors ici, dans cette deuxième expression, on remplace dx' j par cette expression. Ça nous fait une double somme sur j et sur k. Ça nous fait une combinaison linéaire des dxk. Or, les dxk forment une base de l'espace cotangent, donc ça signifie que ces composantes xik sont égales à ces expressions-là. Donc on déduit que xik est égal à cette expression, combinaison linéaire des xi' j. Alors, à partir de là, on prend la différentielle de cette expression. Il ne faut pas oublier qu'on est sur l'espace cotangent et donc que les coordonnées, c'est à la fois les x et les xi. Donc la différentielle de la fonction dxik, eh bien, il faut prendre la différentielle de cette expression, donc il y a somme sur j qui reste dans tous les cas. Ensuite, on prend la différentielle de, donc c'est une dérivée habituelle, donc c'est la différentielle de dxi' j fois ce coefficient, ça donne le premier terme. Ensuite, plus, et il faut dériver le deuxième terme. Donc xi' j, on le laisse. Et pour dériver le deuxième terme, il se trouve que le deuxième terme fait intervenir que les coordonnées. Ça dépend que donc des coordonnées sur la base, sur la variété. Ce sont donc des fonctions de xl. Mais on est obligé d'introduire une somme sur tous les l de la dérivée de cette expression par rapport à xl fois dxl. Donc ça nous donne cette expression-là. Et on déduit que donc la forme oméga qui est donnée par cette définition,
comme ils ont les linéaires des dxk, dxik, on remplace dxk, on laisse dxk en fait, et on remplace dxik par cette expression. D'accord? Donc, il apparaît ce terme, ce premier terme. Donc, il y a une somme sur k et une somme sur j avec ce terme-là. Et il y a ce deuxième terme. Mais il se trouve que le deuxième terme, alors peut-être ça a été un peu rapide, mais on ne l'a pas écrit parce que. On va l'écrire. Voilà, on a écrit le deuxième terme. Donc, il y a la somme sur k qui reste. Et lorsqu'on remplace dxik par son expression, il y a en plus cette double somme sur j et l. On met à part la somme sur j avec si'j, il reste une double somme sur k et l de cette expression. Et dans cette expression, vous voyez deux choses. D'une part, cette dérivée seconde qui sont des termes symétriques lorsqu'on échange les indices l et k, et aussi ce tenseur, cette forme bilinéaire qui est antisymétrique lorsqu'on échange les termes k et l. Hein, c'est par définition du produit tensoriel antisymétrique. Et donc dans cette double somme, le terme kl sera égal mais opposé au terme lk. Et donc cette double somme s'annule. Ainsi, tout ce terme est nul. Il nous reste que la forme bilinéaire oméga est égale seulement à ce premier terme qu'on réécrit ici. Or, dans cette expression, vous voyez ici, on a calculé déjà que ce premier terme, c'était ni plus ni moins que dx'j. Et c'était juste là. Voilà, donc au final, on obtient l'expression de oméga prime. On a démontré que oméga est égal à oméga prime.